Bonjour et bienvenue sur Tricot Touch. Alors aujourd'hui, un tuto tricot pour réaliser ce gilet à pans. C'est un gilet à pans, donc vous pouvez le porter soit ouvert comme ceci, soit éventuellement, vous pouvez aussi le porter fermé en venant le boutonner sous l'épaule et sur l'épaule de l'autre côté. Comme d'habitude, vous avez toutes les informations qui vous seront nécessaires, qui sont visibles dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors, c'est un gilet à pans que je décline en plusieurs tailles, 10, 12, 14, 16 ans, et sur l'autre patron, S, M, L, XL, XXL. Donc, c'est bien dans la barre d'infos sous la vidéo que vous trouverez les liens directement vers les patrons. Je pense que c'est d'ailleurs beaucoup plus pratique de le télécharger sur mon compte Pinterest sous forme de photo dans l'album qui correspond à ce tuto. Alors comme d'habitude aussi, vous pouvez tricoter ce gilet, quelle que soit la taille de vos aiguilles et de votre fil, puisque je vous montre comment vous pouvez refaire les calculs. Mais pour ça, il vous faut obligatoirement faire un échantillon en jersey. Quelque part par là, une boîte de dialogue qui s'ouvre, qui vous emmène vers un tuto que j'ai fait pour savoir tricoter et compter votre échantillon. Une fois n'est pas coutume, c'est une présentation donc très courte pour ce tuto. Je m'étendrai un petit peu plus et je reviendrai sur le tuto lui-même avec des conseils, des petites précisions, en fait dans le bilan. Donc ce que je vous propose de faire éventuellement, si vous voulez en savoir plus dès maintenant, c'est d'aller directement à la fin de la vidéo. Je vous mets en bas de l'écran le minutage exact pour que vous puissiez avoir encore plus d'indications sur ce gilet à pans. Et bien tout simplement parce que je ferai le bilan une fois que je l'ai tourné et je pourrai vous donner quand même pas mal d'autres conseils. Pour le matériel, donc comme d'habitude, vous utilisez le fil et les aiguilles que vous voulez. Ici, j'utilise un fil de chez Pingouin qui s'appelle Pingo First, qui est supposé se tricoter en 3, 3,5. Honnêtement, on pourrait le tricoter en 4. Et donc moi, j'ai choisi des aiguilles numéro 5 pour le tricoter pour lui donner beaucoup de souplesse. J'ai donc pris aussi des aiguilles 4,5, une demi-taille en dessous, pour pouvoir tricoter les côtes au niveau des manches. Ensuite, il nous faudra pas mal de marqueurs. Alors des marqueurs qui s'ouvrent ou qu'on peut retirer facilement, comme ceci, achetés dans le commerce. Ou encore, si vous n'en avez pas, avec une aiguille à laine dont de toute façon vous aurez besoin pour faire les coutures et un fil de couleur contrastante, je vais y arriver, vous pourrez de toute façon vous fabriquer vos propres marqueurs. La petite paire de ciseaux et bien sûr la calculette qui va bien. Étape numéro 1, je télécharge le patron qui m'intéresse. Donc il y en a deux. Un qui fait le 10, 12 et 14, 16 ans. Et un autre qui va de la taille S à la taille XXL. Vous pourrez le télécharger facilement sur mon compte Pinterest dans le tableau numéro 23. Sur ma page Facebook aussi, dans l'album photo tuto 23. Et vous trouverez bien sûr les liens directement vers ces patrons sous la vidéo elle-même dans la barre d'infos. Ensuite, je sélectionne la taille qui m'intéresse. Donc en l'occurrence, moi je vais prendre la taille S, c'est-à-dire 34-36, c'est donc le premier chiffre qui se présente. Et je sélectionne les dimensions qui sont en centimètres et qui m'intéressent. Ici, ce ne sont pas des dimensions en centimètres, c'est un coefficient qu'on utilisera plus tard. J'ai reporté les dimensions pour ma taille sur un patron vierge et maintenant j'écris donc mon échantillon. Donc en jersey, avec des aiguilles numéro 5, mon échantillon est de 18 mailles pour 26 rangs. Donc bien sûr, c'est là que vous notez votre propre échantillon avec votre propre fil et vos propres aiguilles. Maintenant, je divise toutes mes dimensions par 10. Ici, 0,6. 4,2. Allez, on commence les calculs à proprement parler. On va voir combien de mailles il faut que je monte. Donc, je fais 4,4 multiplié par mon nombre de mailles pour 10 cm. Je trouve 79,2. Donc, j'arrondis à 80. Ça peut être un nombre pair ou un nombre impair. Ça n'a pas d'importance. Donc, ici, 80 mailles. Pour le col, 1,8 en ce qui me concerne, que multiplie 18. Je trouve 32,4. Donc là, il y a une règle qui est toute simple, c'est que si ici vous avez un nombre pair, ici vous devez mettre un nombre pair aussi. Donc si là c'est impair, là c'est impair. En l'occurrence, j'ai un nombre pair là, donc ce 32,4, je vais l'arrondir à 32. Si j'ai 32 mailles ici, alors que j'en avais 80 en tout, combien est-ce que j'ai de mailles pour les épaules? Eh bien, je fais 80 moins 32. Ça me donne 48 que je divise par 2.
ce qui me donne donc 24 mailles de chaque côté. Alors en hauteur ici, moi j'ai décidé, et c'est pas obligatoire, mais moi je préfère le faire, j'ai décidé de faire une petite bande au point mousse. Donc je garderai la même taille d'aiguille que celle avec laquelle je tricote l'ouvrage lui-même. Et cette barre de point mousse, je veux qu'elle fasse 5 cm. Donc si j'ai 35 cm en tout, mais qu'il y a 5 cm que je consacre à faire du point mousse, il me restera donc 30 cm à faire en jersey, que je divise par 10. Et pour savoir combien de rangs ça me fait, je vais le multiplier par mon nombre de rangs pour 10 cm. Donc ça fait 3 fois 26. Je trouve 78, le nombre de rangs est toujours un nombre pair. Pour le nombre de rangs pour les emmanchures, donc moi c'est 1,9 que multiplie 26. Je trouve 49,4, donc je dois arrondir à un nombre pair. En l'occurrence, je vais arrondir à 50. Alors pour cette petite barre de point mousse, j'ai le choix. Je peux tricoter et puis mesurer mes 5 cm. Voilà, et je ferai la même chose pour les deux devant. Ou bien je peux, et je pense que c'est quand même préférable, calculer à l'avance le nombre de rangs que ça va me faire, de sorte à être sûr d'avoir exactement le même nombre de rangs sur le dos et sur les deux devants. Sauf que mon échantillon ici, il est en jersey. Et ici, c'est du point mousse. Pour le nombre de rangs, le point mousse et le jersey sont très différents, mais il y a quand même une astuce pour calculer à peu près le nombre de rangs qu'on va avoir. Et quoi qu'il arrive, ce que je vous propose, moi, c'est de tricoter jusqu'au nombre de centimètres que vous voulez, de compter le nombre de rangs et de le reporter sur les deux devants pour être sûr de faire le même nombre. Mais admettons que je veuille connaître à l'avance le nombre de rangs qu'il me faudra. Donc 5 cm, je le divise par 10, je fais 0,5. Et je vais multiplier par le double du nombre de mailles pour 10 cm. Donc 18 fois 2, ça fait 36. 0,5 fois 36, 18 rangs. Ça me donne le nombre de rangs que je suis supposée tricoter en point mousse avec les mêmes aiguilles pour ces 5 cm de bande. De bande de quoi? De bande de point mousse. Je vais y arriver. Donc voilà, peu importe la méthode que vous utilisez, prévoir le nombre de rangs à l'avance ou pas, ce n'est pas très très important. Ce qui est important en revanche, c'est quand vous le tricotez, de bien comptabiliser le nombre de rangs pour être sûr de mettre le même nombre sur les deux demi-devants. Alors pour la manche, ici c'est la largeur de manche qu'on aura à cet endroit-là. Vous allez prendre la hauteur d'emmanchure ici et le multiplier par 2. Donc 1,9 en ce qui me concerne fois 2, ça me donne 3,8, c'est-à-dire 38 cm. 3,8. Maintenant que j'ai la largeur de ma manche, je vais multiplier 3,8 par le nombre de mailles pour 10 cm. 3,8 fois 18, ça me donne 68,4. Donc ici, il y a une règle qui est valable pour tout le monde, c'est que le nombre de mailles, ici, doit être un nombre pair. Donc je vous rappelle comment on fait, vous prenez le nombre de centimètres que vous avez là, moi c'est 19, vous multipliez par 2, ça fait 38, vous divisez par 10 parce qu'on divise toujours le nombre de centimètres par 10 pour ensuite le multiplier, ça fait 3,8 et vous multipliez ce que vous trouvez par le nombre de mailles pour 10 cm. Ensuite vous l'arrondissez à un nombre pair. Pour les manches, donc une première partie en jersey et une deuxième partie qui sera tricotée en côte. Donc là, 4,2 que multiplie le nombre de rangs, 26. Je trouve 109,2, c'est un nombre de rangs, donc c'est forcément pair. J'arrondis à 108 ou j'arrondis à 110. En l'occurrence, j'ai choisi d'arrondir à 110. Ensuite, pour la bande de côte, qui a pour le nombre de rangs le même échantillon que du jersey, donc on peut utiliser cet échantillon-là, je fais 0,6 fois 26. Je trouve 15,6 que j'arrondis à un nombre pair, en l'occurrence j'arrondis à 16. Alors il nous manque encore quelques petites bricoles à mettre. Je m'aperçois qu'ici j'ai pas mis le marqueur, donc hop, sur ce demi-devant le marqueur est ici. Pour cette petite partie là, vous prenez le nombre de mailles que vous avez pour l'épaule ici. Donc en l'occurrence moi c'est 24. Pour cette partie là, vous prenez le nombre de mailles de l'encolure et vous le multipliez par 2. 32 fois 2, ça fait 64, en ce qui me concerne, 64 mailles. Donc, l'encolure, 32, que multiplie 2, ça fait 64.
Pour la largeur totale du demi-devant, eh bien j'ajoute 64 et 24. Et ça me fait 88 mailles. Pour le fil perdu, donc si vous montez les mailles comme je le fais, vous allez avoir ici du fil perdu. Il vous en faut au départ pour monter le nombre de mailles que vous avez à monter. Et puis généralement, j'en garde aussi pour faire la couture du côté. Aujourd'hui, je vais en garder beaucoup plus. Je vais garder la quantité de laine qu'il me faut pour monter les mailles, pour coudre ce côté-là, mais aussi pour venir coudre dans le prolongement la manche, une des manches. Alors, ça, c'est une option que je vous propose parce que je veux vous montrer au moment des manches qu'on a la possibilité. Donc, les manches seront déjà montées sur l'ouvrage lui-même, on le verra ensemble. Je tricoterai la totalité de mes rangs en jersey et grâce à ce fil, je vais pouvoir faire la couture du côté et le début de la couture des manches, essayer le gilet et voir si je veux rester sur 6 cm de côte ou bien en faire un petit peu plus. C'est la raison pour laquelle cette fois-ci, je vais garder beaucoup plus de fil que d'habitude. Habituellement, on garde 2,5 fois cette largeur, plus 3 fois la hauteur de couture. Donc là, je vais faire la même chose, 2,5 fois 44 cm, 3 fois 35 cm, mais aussi 3 fois 42 cm. Donc en ce qui me concerne, je vais garder 3,50 m de fil avant de commencer à monter mes mailles. Quand on rabattra ici, on aura besoin de fil perdu pour faire juste la couture de cette épaule. Donc moi, mon ouvrage fait 44 cm en tout, 18 cm d'encolure. Donc je fais 44 moins 18, ça fait 26 cm par épaule, divisé par 2. Ici, j'ai une couture de 13 cm que je multiplie par 3, ça c'est habituel. Il faut que je garde à peu près 40-50 cm de fil pour pouvoir faire la couture. Je vais noter 50 cm parce que moi j'aime bien être à l'aise pour faire mes coutures. Je ferai une couture au point arrière ici. Alors éventuellement, mais ça aussi c'est une option, pour ceux et celles qui montent les mailles un petit peu de façon pas très souple, c'est-à-dire un peu comme moi. Vous avez la possibilité de monter vos mailles avec des aiguilles légèrement plus grosses que celles que vous utilisez pour votre ouvrage. Par exemple, moi, je vais tricoter l'ouvrage avec des aiguilles 5. Je peux choisir de monter les mailles avec des aiguilles numéro 5 et demi et de commencer tout de suite après à tricoter avec des aiguilles numéro 5. Là, c'est vous qui choisissez, ça dépend de votre façon de monter les mailles, si vous serrez beaucoup ou pas. Pour la bande de point mousse, je vais garder la même taille d'aiguille. Habituellement, on fait les bandes en bas en côte et on tricote avec des aiguilles un petit peu plus petites. Ça sera le cas pour les manches. Mais ici, on ne va pas faire des côtes. Moi, je vous conseille vivement de faire un autre point que des côtes. Alors, du point mousse, du point de blé, du point de riz, ce que vous voulez, mais pas quelque chose qui a un effet rétrécissant parce que pour ce gilet à pans, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux garder un point qui ne vienne pas rétrécir et rétrécir, oui, l'ouvrage en bas. Donc moi, je vais monter mes 80 mailles avec des aiguilles 5,5. Puis, je n'oublierai pas de prendre mes aiguilles 5 et je vais tricoter mes 5 cm au point mousse. Je garderai mes aiguilles numéro 5. Je vais tricoter 78 rangs en jersey. Avant d'attaquer les 50 rangs des emmanchures, au moment où je vais les attaquer, je vais venir poser un marqueur dans la première et la dernière maille. C'est comme ça qu'on verra où commencent et où s'arrêtent les manches. Ensuite, j'ai 50 rangs à tricoter. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais en tricoter que 48. Et on se revoit pour les deux derniers rangs parce que ici, au niveau de l'encolure, je voudrais sur les deux derniers rangs venir poser un petit peu de point mousse juste à l'endroit de l'encolure. Alors, il y a une raison à ça, c'est que je voudrais que ça ne se retourne pas, que l'encolure du dos ne se retourne pas. Alors, il y a plein de solutions pour ça. Au moment où je rabats, je peux rabattre normalement les épaules et ensuite rabattre en faisant une I-corde au niveau de l'encolure, puis rabattre normalement. L'autre possibilité aussi, c'est sur les deux derniers rangs avant de rabattre, de bien tricoter du jersey avant les marqueurs et après les marqueurs, mais de tricoter du point mousse entre les deux. Et de cette façon, et ensuite de rabattre tout à fait normalement. Et de cette façon, ça ne se retournera pas. Et franchement, c'est pas vilain du tout en plus. Donc je fais ça, je fais toute cette partie, mais je m'arrête. Au lieu de faire 50 rangs, j'en ferai que 48. Et puis on se voit à ce moment-là pour faire cette finition ici. Nous y sommes. Alors, j'ai fait ma bande de point mousse, j'ai tricoté mes 78 rangs, puis je suis venue mettre un marqueur. Alors attends, bouge pas. Tac. Dans la première et dans la dernière maille
avant que d'attaquer mes 50 rangs suivants. Et sur les 50, j'en ai tricoté 48 puisque maintenant je veux faire un petit peu de point mousse au niveau de l'encolure puis ensuite rabattre. Donc je me mets face à mon patron et je vais venir mettre deux petits marqueurs. Donc le premier juste après la 24e première maille, donc entre la 24e et la 25e maille. 20, 22, 24, voilà. Donc ce marqueur, je le mets autour de l'aiguille, hein, je ne le mets pas dans la maille. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc 24. 22, 24. Et je dois normalement, entre les deux marqueurs, avoir 32 mailles. 28, 30 et 32. Voilà qui est parfait. Donc je vais tricoter mon 48e, non, mon 49e, pardon, et mon 50e rang. À ceci près que, entre les marqueurs, je vais faire du point mousse. Donc sur le rang numéro 49, ça ne change rien, je tricote tout à l'endroit. Mais sur le rang numéro 50, je tricoterai à l'envers, entre les marqueurs à l'endroit, et après le marqueur à l'envers. J'arrive, je suis donc sur le 49e rang, j'arrive vers mon premier marqueur, je le fais passer. Je continue à tricoter à l'endroit. J'arrive à mon deuxième marqueur, hop, je le fais passer aussi. Hop. Et je termine mon rang numéro 49. Je termine le rang. J'attaque le 50e, je vais y arriver, le 50e rang. Donc avant le marqueur, mes mailles sont tricotées à l'envers puisque je suis sur du jersey. J'arrive à mon marqueur, je le fais passer. Et entre les deux marqueurs, les 32 mailles centrales, je fais passer mon fil derrière pour pouvoir les tricoter à l'endroit. J'arrive vers le deuxième marqueur de l'encolure. Je fais passer mon marqueur. Hop, peut-être. Fil devant et je termine donc mon rang 50, toutes les mailles à l'envers. Attends, je m'emmêle les pieds dans le marqueur. Il faut dire qu'avec des aiguilles qui sont longues sur une table, c'est pas l'idéal. Tiens, ça faisait longtemps. Le bureau des pleurs est ouvert, ça y est. Allez, je termine ça. Voilà, ça y est, j'arrive à la fin. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Ok, donc face à mon patron, mes 50 rangs sont faits, maintenant il s'agit de rabattre. Avant de rabattre, les marqueurs qui sont pas dans les mailles, hein, qui sont autour de l'aiguille, on va précisément venir les enlever et les glisser dans les mailles. Donc moi dans la 24e maille en partant de la fin et dans la 24e maille en partant du début. Je vais en prendre un autre, ça sera moins risqué. Sinon vous utilisez le même. Hein. Mais moi je me connais, je sais qu'une fois que j'aurai enlevé le marqueur, il faudra que je recompte. Attends. On va essayer de montrer un petit peu comment je fais. Donc je glisse, voilà, je glisse le marqueur dans la maille elle-même et il va rester en place. Ça sera notre repère pour la couture de l'épaule. Voilà, et j'enlève celui-là. Maintenant, il s'agit de rabattre. Alors, on va rabattre la totalité et puis en ce qui me concerne, je vais garder 50 cm de fil pour faire la couture d'une des deux épaules. Le truc, c'est que je, personnellement, j'ai tendance à serrer et à tirer mon fil et à serrer un petit peu trop quand je rabats. Comme j'avais utilisé une aiguille un peu plus grosse pour monter mes mailles, en l'occurrence du 5,5, eh bien, je vais reprendre cette aiguille 5,5 et je vais rabattre mes mailles avec cette aiguille, ce qui fera que ça sera un petit peu plus souple, ce qui va quand même pas mal me faciliter les choses pour la couture. Donc, pour rabattre, hein, on en tricote deux. Et on passe la première sur la deuxième. Il faut toujours deux mailles sur cette aiguille pour pouvoir en rabattre une sur l'autre. Quand je rabats et que j'arrive vers mon marqueur, regardez, la maille marquée, ça reste en place, hein, évidemment. Puisque j'en ai besoin comme repère de couture. Tu me diras, il y a le point mousse qui pourrait me permettre de voir où commence et où s'arrête l'encolure exactement. Mais enfin, dans le doute. Personnellement, je mets tout le temps des marqueurs partout, vous l'avez peut-être remarqué, mais ça m'aide beaucoup. Voilà, je termine. Je rabats la dernière maille, celle qui reste. Je la mets autour de mon poignet, j'avais dit combien? 50 cm de fil perdu.
Bon, comme je suis pas en manque de fil, je fais un petit peu ça à l'œil. Tac, je le passe à travers la dernière maille. Et voilà, le dos est terminé. On regarde un petit peu. Alors, c'est pas flag flag là, surtout avec ce gris. Ici, là où vous avez du point mousse entre les deux, en fait, ça va beaucoup moins relouter. Relouter. Non. comment on dit? Rouloter. Oh, punaise. Ça y est, les mots me manquent. Ça va beaucoup moins rouloter. Alors, ça roulotte un petit peu parce qu'on n'a fait que deux rangs de points mousse. Mais c'est quand même bien moins exagéré que lorsqu'on fait juste du jersey. Et puis, ça évite d'avoir à rabattre en faisant en même temps une huit-cordes. J'essaierai de vous retrouver une vidéo. Je me souviens qu'il y avait un tuto, je ne sais plus du tout lequel, où on vous montre comment rabattre en huit-cordes. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est très intéressant. En plus, ça peut vous être utile pour des tas de choses. La seule chose, c'est, il me semble me souvenir qu'il faut des aiguilles double pointe. Et quand on n'en a pas, eh bien, faire deux rangs minimum, quatre, c'est peut-être mieux, je ne sais pas. En point mousse, là où on ne veut pas que ça roulotte, eh bien, c'est super. Bon, eh bien, on a les repères des épaules, les repères de l'emmanchure, un petit peu de fil perdu pour coudre ici. Beaucoup, beaucoup de fil perdu pour le reste. On peut passer maintenant au premier demi-devant. Alors, on passe au premier demi-devant. Donc, je vais avec des aiguilles 5,5. Je vais monter 88 mailles. Donc, moi, des aiguilles 5,5 parce que je ne sais pas monter souplement et que j'utilise des aiguilles une demi-taille au-dessus de mon ouvrage. Je vais monter 88 mailles. Il faut qu'on règle la question du fil perdu qui va se retrouver ici. Là, ce fil perdu, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'on a besoin juste assez de fil pour monter nos mailles, mais on n'a pas besoin de fil perdu supplémentaire pour faire une couture puisque précisément ici, il n'y aura pas de couture à faire. Je prends donc 2,5 fois, voire 3 fois, la largeur de mon ouvrage. Alors, le truc, c'est que là, ce n'est pas exprimé en centimètres, c'est exclusivement exprimé en mailles. Ici, c'est exprimé en mailles et en centimètres. Si pour 80 mailles, j'ai 44 cm, pour 88 mailles, on peut dire que j'ai 8, la moitié, 5 cm de plus, ouais, j'ai 49 cm. Enfin, vous voyez, vous en prenez un petit peu plus que pour ce côté-là, et ça suffira largement. Donc, aiguille 5,5, je prends mon fil perdu, juste assez pour monter mes mailles, et je tricote mes 5 cm de point mousse avec mes aiguilles numéro 5. J'oublie pas de changer d'aiguille. Ensuite, je vais continuer, et j'ai donc 78 rangs à tricoter en jersey tout droit. Arrivé à la fin de mes 78 rangs, et avant d'attaquer mes 50 rangs, je vais être comme ceci, c'est-à-dire que mon ouvrage sera là, début de rang ici, fin de rang ici. Et vous voyez, mon marqueur se situe côté fin de rang. Hop, je vais le mettre en exergue. Donc avant d'attaquer mes 50 rangs, je viendrai mettre un marqueur, mais uniquement dans la dernière maille qui est sur mon aiguille. Ensuite, je ne vais pas tricoter directement les 50 rangs, parce qu'ici, on a une petite boutonnière à faire. Et cette petite boutonnière, il faut d'abord que je sache à combien de rangs du haut je veux qu'elle soit positionnée. Et ensuite, je verrai combien de rangs il faut que je tricote avant d'attaquer ma boutonnière. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors déjà, première chose sur la boutonnière elle-même. Sur le premier côté, mais je pourrais le faire sur le deuxième, je vais vous expliquer, j'ai décidé de faire une boutonnière de 2 mailles. Habituellement, vous le savez, dans mes tutos jusqu'à présent, j'ai toujours fait des boutonnières que d'une seule maille. Sauf que là, je souhaiterais mettre un bouton plus gros. Et pour mettre un bouton plus gros, il faut faire une boutonnière plus grosse. Donc sur un des deux demi-devants, je vais faire une boutonnière de 2 mailles. Je pourrais la faire de 3 ou de 4 mailles, c'est exactement le même principe en fonction de la grosseur de votre bouton. Alors que sur le deuxième demi-côté, je ferai une boutonnière d'une seule maille parce que le bouton sera caché sous l'épaule. Donc je mettrai un bouton de taille normale, je n'ai pas besoin de m'embêter. Mais là, ça me permet de vous montrer une boutonnière un peu plus grosse que celle que je fais habituellement. Donc sur ce demi-côté-là, ce demi-devant, oui, c'est ça. Je vais faire une boutonnière de 2 mailles et sur l'autre, les boutonnières habituelles que je fais d'une maille seulement. Déjà, première chose. Deuxième chose. Pour faire ma boutonnière, il me faut 2 rangs au minimum. Donc 2. Ensuite, je ne veux pas que cette boutonnière soit à 2 rangs du bord. Je ne veux pas rabattre tout de suite après parce que ça ne va pas aller. Je vous conseille vivement de tricoter au minimum 2 rangs après la boutonnière, après avoir fait la boutonnière, avant que de rabattre. Je dis au minimum, ça peut être 2, ça peut être 4. Ne faites pas non plus 10 rangs parce que votre boutonnière, elle va se retrouver à 5 cm du bord, ça n'ira pas.
Je pense que 2, 4, voire 6, mais vraiment si vous avez une laine très fine, 6 rangs au maximum sera suffisant. Donc si j'ai 4 rangs qui vont être consacrés à la boutonnière, 2 pour la boutonnière elle-même et 2 avant que d'arriver à la fin, et que j'en ai 50 en tout, je vais commencer par tricoter 46 rangs en jersey. Et ensuite, on va se retrouver pour faire cette boutonnière. On peut peut-être parler de la distance. Donc là, on a vu la distance de la boutonnière par rapport au bord de l'ouvrage, au haut de l'ouvrage, mais on peut peut-être discuter de la distance de la boutonnière par rapport au bord. Oh, oui, si, bon, si on veut. C'est pas très urgent en fait, parce que j'ai pas encore fait mes 46 rangs. Donc, cette boutonnière, on va pas la coller au bord, pas complètement. On va pas non plus la mettre au milieu de l'ouvrage. On est bien d'accord là-dessus. Alors moi, je pense que je vais la faire à 4 mailles du bord ici. Voilà. Je pense que c'est pas mal. 4 mailles, ça fait à peine un centimètre. Ça me semble tout à fait correct. Si je l'avais faite à 2 mailles du bord, ça serait vraiment trop proche et elle risque de se déformer à force de mettre et d'enlever le bouton. Je pense que là, c'est pareil, entre 4 et 6 mailles du bord. Un peu plus si vous avez un fil hyper fin que vous tricotez en 2,5. Mais si vous avez un fil moyen que vous tricotez 3,5, 4, 4,5, 5, je pense que 4 mailles du bord, ça peut être pas mal. Bon. En attendant, point mousse, 78 rangs. Je mets mon marqueur, avant d'attaquer mes 50 rangs, je mets mon marqueur sur la maille qui se trouve à la fin de mon rang, celle du bord ici. À la fin de mon aiguille, pas à la fin de mon rang. Oui, à la fin de mon rang, c'est ça. Et ensuite, je tricote 46 rangs de jersey, et puis on se voit pour régler cette affaire-là. Et puis, ne pas oublier aussi de venir mettre un marqueur ici. Nous y voilà, c'est fait. Alors, avant d'attaquer cette petite séquence, vous risquez d'entendre une espèce de petit bruit désagréable et sourd en fond. Je vous explique, ma chaudière est en panne. Mais quand je dis en panne, c'est vraiment en panne. J'ai un petit poêle à pétrole juste à côté de moi pour. J'ai les mains gelées et voilà, j'ai mis le poêle à pétrole et ça fait un bruit un peu sourd, assez pénible. Donc, on ne va pas trop s'attarder parce que j'imagine que pour vous aussi, ça risque d'être un petit peu pénible. Nous en étions là. Point mousse, 78 rangs, le marqueur. Point mousse, hop, ici, 78 rangs. Le marqueur, donc en fin d'aiguille, vous savez que j'ai mis des aiguilles double pointe parce que c'est plus pratique pour moi, mais sinon ça se présentait de cette façon. Et ensuite, j'ai tricoté mes 46 rangs et on est rendu ici. Donc il s'agit sur deux rangs de venir faire une boutonnière cette fois-ci de 2 mailles. Parce que je veux pouvoir passer 2 ou 3 mailles, d'ailleurs, vous verrez, vous, le nombre de mailles que vous souhaitez consacrer à cette boutonnière en fonction de la grosseur du bouton que vous avez. Moi, avec 2 mailles, ça sera suffisant, mais le principe serait le même pour 3, 4, 5 mailles si vous avez un fil hyper fin et un bouton très gros. Donc, hop, je suis prête à tricoter en ce qui me concerne mon 47e rang. Donc, histoire de ne pas oublier, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit marqueur à 4 mailles du bord, puisque je veux que ma boutonnière soit à 4 mailles du bord. 1, 2, 3, 4. Et je mets un petit marqueur autour de mon aiguille. Il n'est pas pris dans la maille. Maintenant, je tricote mes 4 premières mailles. Alors, attends, parce qu'avec des aiguilles circulaires, chaque fois. Zut! Cette galère. Voilà, j'ai tendance à faire passer le fil. C'est pas très grave, hein. Bref, allez, 4 mailles, 1, 2, 4, j'enlève mon petit marqueur. Ma boutonnière fera 2 mailles, donc je vais rabattre 2 mailles. J'en tricote d'abord une, puis une deuxième. Je rabats la première tricotée, on dit peut-être, hein, voilà, par-dessus la deuxième, et je rabats une autre maille. J'en tricote une. Je rabats par-dessus. Voilà, ça donne, on peut voir un petit peu de cette façon la largeur de la boutonnière. Et les chiens se mettent à aboyer, mais décidément aujourd'hui, une vraie galère. Et je tricote mon rang jusqu'à la fin. J'arrive à la fin de mon rang numéro 47. Et je vais tricoter le rang numéro 48 tout à fait normalement, donc toutes les mailles à l'envers. Et je m'arrêterai, quand j'arrive à l'endroit où j'ai rabattu les mailles. Voilà, j'arrive bientôt vers les mailles rabattues. Alors, je voulais vous dire qu'il existe plein de méthodes pour faire des boutonnières de plusieurs mailles. Vous avez énormément de vidéos sur le sujet, donc il ne faut pas hésiter à choisir celle qui vous convient le mieux. Ici, je vais vous montrer deux méthodes. La première, je vais remonter les 2 mailles que j'ai rabattues en faisant un montage tricoté. Alors, je trouve que l'avantage, c'est que c'est mieux fini, mais par contre, et c'est plus solide,
Mais par contre, ça vous fait un trou plus petit que ce que vous auriez pensé au départ. Donc, si vous pensez qu'avec 4 mailles rabattues, votre très gros bouton va passer, lorsque vous allez remonter ces 4 mailles avec le montage tricoté, ça fera un trou un peu plus petit que prévu. Voilà. L'autre façon de faire, c'est la plus simple, mais je trouve par contre, alors ça fait un trou assez gros, plus distendu, un peu plus gros que ce qu'on croirait en fait. Voilà, c'est l'inverse. Et je trouve que c'est plus lâche, c'est moins fini. Mais enfin bon, après, vous choisirez. Donc là, on va commencer par la méthode la plus simple. Voilà, j'arrive au niveau de des 2 mailles que j'avais rabattues sur le rang précédent. Et je vais faire des jetés, c'est-à-dire que je vais entourer mon aiguille pour créer une maille supplémentaire. Donc je suis devant, je passe mon fil derrière et je le ramène devant. Vous voyez, j'ai rajouté une maille, l'air de rien. Et je recommence une deuxième fois. Mon fil est devant, je le passe derrière, entre les aiguilles, je reviens devant. Du coup, je viens de rajouter 2 mailles, précisément les 2 mailles que j'avais rabattues tout à l'heure. Et ensuite, attends, lui il est à l'envers, voilà. Et ensuite, je termine mon rang. Voilà, j'ai fini mon 48e rang. Alors j'ai des fils partout, voilà. Sur le rang suivant, donc il me reste maintenant le rang 49 et 50 à tricoter. Je vous montre ce que ça donne quand on a rajouté les mailles de cette façon. Donc je tricote, mais les 2 rangs qui me restent à faire tout à fait normalement. Et arrivé à l'endroit de mes jetés, je vais tricoter mes jetés comme des mailles tout à fait classiques. Vous voyez, c'est très lâche. Donc je passe le fil, je tricote. Pareil pour la suivante, je passe le fil, je tricote. Et je continue à tricoter mon rang tout à fait normalement. Voilà ce que ça donne. Ça donne un trou très souple, voilà, plutôt très large. Personnellement, je le trouve moins bien fini parce qu'il est très lâche à ce niveau-là. Mais bon, c'est quand même la façon la plus simple. Donc arrivé à ce stade-là, je termine mon rang 49, je fais mon rang 50, et c'est là qu'on se retrouvera pour poser le marqueur et rabattre. Je vais défaire ce que je viens de faire, et je vais vous montrer la même chose, mais avec une méthode un petit peu différente, hop, où je vais utiliser le montage tricoté. Alors attends, que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. J'avais un gros doute tout d'un coup. Alors, je défais mes mailles. Je vais le faire hors caméra, hein, parce que là, franchement, ça n'a pas tellement d'intérêt. Voilà, donc je suis revenue sur la fin de mon rang 48. Ici, les 2 mailles rabattues sur le rang précédent, il me reste 4 mailles sur mes aiguilles. Je veux faire un montage tricoté, donc je vais tourner mon ouvrage de cette façon. Et je vais reconstituer 2 mailles à partir de la première maille qui se présente sur l'aiguille de gauche. Donc, je vais la tricoter, hop, tout à fait normalement. Mais au lieu de la faire tomber, je vais la repositionner sur l'aiguille de gauche en faisant une petite torsion. Et je tire. Voilà, j'ai rajouté une maille. Je recommence. Je la tricote tout à fait normalement. Mais au lieu de la faire tomber, je la repasse sur l'aiguille de gauche en faisant une petite torsion. Je viens de remonter 2 mailles. Donc du coup, je me remets dans le bon sens, hop, de mon travail. Je me remets sur l'envers de mon travail. Et je tricote les 4 dernières mailles. Voilà, le rang 48 est terminé. Je passe au rang 49 et 50. Donc, je tricote mes mailles à l'endroit. Voilà les 4 premières. Et là, je vais tricoter les 2 mailles que je viens de rajouter. Une, deux peut-être, oui. Voilà, je continue, je fais quelques mailles de plus pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça suffira. Donc là, on voit que le trou est quand même moins important. Donc ça, il faut y penser. Mais je trouve que la finition est plus jolie. Donc c'est une histoire de choix. Je suis en train de me dire que j'ai rabattu que 2 mailles, ça va être limite pour le bouton que j'ai choisi. Donc je changerai de taille de bouton. Et puis je viendrai un petit peu l'écarter. Donc voilà, pour cette boutonnière, vous choisissez la solution qui vous semble la meilleure pour vous, entre ce que je vous ai montré et tout ce que vous pourrez trouver, notamment sur YouTube, sur les boutonnières. Donc maintenant, je fais mon rang 49, mon rang 50, et puis on se retrouve pour poser le marqueur de la couture de l'épaule et pour rabattre. C'est terminé. Alors, j'ai remis sur l'aiguille droite pour qu'on soit tous bien dans le même sens, enfin qu'il n'y ait aucun doute à avoir. Ici, j'ai bien ma boutonnière en début de rang. La voilà. Et de ce côté, fin de rang, j'ai bien ce marqueur-là. Là, vous voyez,
On avait consacré, j'ai consacré 4 rangs en tout à ma boutonnière, 2 pour faire la boutonnière elle-même, plus 2 rangs de plus avant que de rabattre. Ici, vous pouvez faire 2, 4, 6 rangs, ça dépendra de la distance à laquelle vous voulez que votre boutonnière soit par rapport au bord. 2 rangs, ça me semble vraiment le minimum. Il nous reste maintenant à poser ce marqueur-là, c'est celui qui va servir à venir coudre cette épaule avec cette épaule. Donc il est à 24 mailles en partant de la fin du rang et je viens mettre un marqueur, donc là sous forme de fil, mais ça peut être un marqueur qui s'ouvre et qui se ferme, je ne sais pas si j'en ai sous la main, enfin comme d'habitude, hein, vous connaissez, là, voilà, c'est là. Et je viens glisser ce fil ou ce marqueur dans la maille elle-même. 2, 4, 22 et 24. Donc c'est dans la 24e maille que je mets mon marqueur. Voilà qui est fait. Maintenant, je change de taille d'aiguille et je reprends mes aiguilles 5,5. Donc ça, ce sont des aiguilles 5. Et je vais rabattre la totalité des mailles. Question, faut-il garder du fil perdu? Le fil perdu sera ici. Alors, on va en garder parce que ce fil perdu va nous permettre de coudre cette épaule-là avec cette épaule-ci. Et là, on n'a pas de fil perdu. Du coup, pas bien le choix. Donc oui, pour le fil perdu, on va garder la même chose que ce qu'on a prévu ici. En ce qui me concerne, moi, 50 cm. Vous, je ne sais pas, puisque je ne sais pas quelle taille vous tricotez. Donc je ne peux pas vous dire, mais c'est trois fois, hop, trois fois la largeur de l'épaule. Puisqu'on fait une couture au poids arrière. Bon, ben, pour rabattre, hein, pas de difficulté particulière. L'objectif étant de rester le plus souple possible. Voilà qui est fait. Ok, mon fil perdu. Bon, là, j'ai gardé plus de 50 cm. De toute évidence, j'avais peur de manquer de fil. Le premier côté est fait. Et on va passer au deuxième côté. Et là, j'ai pas été bien mignonne parce que sur le patron que je vous fournis, je ne vous ai pas mis le deuxième côté. Pourquoi? Parce que ça me permettait d'aborder avec vous, une fois de plus, parce que je l'ai déjà fait dans d'autres tutos, cette histoire de tricoter. Le deuxième devant par exemple en vis-à-vis. C'est quelque chose que vous retrouverez assez souvent dans les catalogues. Ici, c'est précisément ce qui va se passer. Il s'agit pour nous de tricoter un deuxième demi-devant, non pas semblable à celui-ci, mais en vis-à-vis. En vis-à-vis, ça veut dire en symétrie. Et ça nécessite une toute petite gymnastique de l'esprit, parce que tout va être inversé en fait. C'est pas super compliqué. Mais je préfère l'aborder avec vous maintenant, de sorte que ceux qui, comme moi, sont un peu, voire très dyslexiques, puissent quand même trouver des petites méthodes qui leur permettent de s'attaquer à ce fameux en vis-à-vis sans se planter à chaque fois, parce que c'est quand même bien dommage. Je vais vous montrer deux petites méthodes vraiment très simples. Alors bien sûr, la première méthode qui sera la plus simple, et qui est possible quand c'est un patron qui est aussi simple que ça, parce qu'en réalité, c'est juste un rectangle. C'est de le dessiner en se mettant en face et d'inverser. Donc là, quand je démarre de ce côté, j'ai mon premier marqueur. Hop. Ensuite, je continue et c'est tout au bout que j'ai ma boutonnière. Donc je continue et je mets ma boutonnière tout au bout. Quand j'arrive ici, je tombe sur mon marqueur. Donc quand j'arrive là, je tombe sur mon marqueur. Voilà, de cette façon, a priori, il n'y a pas de problème. Vous pouvez noter votre deuxième patron en mettant tout en sens inverse. Ensuite, vous n'avez plus que le nombre de mailles et de rangs à noter. Voilà qui est fait. On s'occupera des fils perdus à la fin. La deuxième méthode que je trouve peut-être plus adaptée, plus adéquate si vous avez un patron qui est particulièrement complexe, c'est de tout simplement utiliser un papier calque ou une feuille suffisamment transparente, de venir, alors là je me dépêche un peu, donc évidemment ça ne sera pas très droit, par transparence, vous recopiez très exactement que vous avez sur votre patron, et ensuite tout simplement vous le retournez et vous êtes en vis-à-vis. Alors, attends, je vais glisser une feuille blanche dessous pour que ce soit plus visible. Donc j'étais comme ça et hop. Et enfin, bien sûr, vous venez mettre vos mailles et vos rangs en bonne place. Ouais, j'ai plus la place. Voilà, donc dans les deux cas, vous avez bien votre deuxième partie qui est précisément en vis-à-vis de la première et qui est inverse. On va s'occuper un petit peu du fil perdu. Moi, je vais prendre celui-là. Tiens, je vais le mettre comme ça. Hop, cette partie-là, on est bien d'accord qu'elle va venir se mettre ici. Il va y avoir une couture au niveau de l'épaule. Là, c'est le passage du bras et il y aura une couture ici.
Maintenant, prenons notre aiguille. Quand je vais avoir monté les mailles et que je serai prête à tricoter, mon fil perdu se trouvera du même fil que le fil qui mène à la pelote, c'est-à-dire en début de rang, donc ici. Question, est-ce que j'ai besoin de garder du fil perdu? Alors, on va le mettre en position finale quand on l'aura cousu. J'ai bien une couture ici. Et là, je n'ai pas de fil perdu pour faire cette couture, donc je vais devoir en garder. Et je vais garder la même quantité de fil perdu qu'ici. Vous savez que moi, je veux faire non seulement la couture sur le côté, mais aussi la couture du bras en même temps. Donc pour moi, c'est 3,50 m. Maintenant, regardons en haut. Voilà. Quand j'aurai fini de rabattre mes mailles, tout à la fin, le fil perdu sera de ce côté. Question, est-ce que j'en ai besoin? Donc là, la couture de l'épaule est faite avec ce fil perdu ici. Et là, je suis en réalité, là où il y a la boutonnière, sur le bord du devant. Et là, il n'y a pas du tout de couture. Donc ici, je n'ai pas besoin de garder de fil perdu, juste assez, on va mettre 20 cm, pour pouvoir camoufler le fil. Voilà qui est réglé pour donc la deuxième partie en Ça a vis-à-vis. coupé. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Donc voilà, la deuxième partie en vis-à-vis est dessinée. Ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui a été en début de rang sur la première partie sera en fin de rang sur la deuxième partie qui est en vis-à-vis. Par exemple, ici, le marqueur qu'on avait mis, il était en fin de rang. Eh bien, si je me mets ici, le marqueur qu'on mettra, il sera en début de rang. Ici, la boutonnière qu'on avait faite, elle était en début de rang. Rappelez-vous, elle était à 4 mailles du bord en début de rang. Ici, elle sera aussi à 4 mailles du bord, mais en fin de rang. Le marqueur qu'on a posé là pour la couture de l'épaule, à 24 mailles de la fin du rang, eh bien ici, ce sera à 24 mailles, mais du début du rang. Voilà, tricoter en sens inverse, en vis-à-vis, en symétrie, ça veut dire que tout ce qui se trouve en début de rang d'un côté sera en fin de rang de l'autre, et inversement, tout ce qui se trouve en fin de rang d'un côté sera en début de rang de l'autre au moment où on attaque. C'est-à-dire que là, je tricote, au moment où je vais attaquer ces 50 rangs et que je dois mettre un marqueur, c'est là que je pose mon aiguille devant mon patron. Et que je regarde où est mon marqueur par rapport à mon aiguille. Et je sais que je vais mettre mon marqueur sur la première maille en début de rang avant d'attaquer mes 50. Voilà, bon, j'espère que ça vous aidera un tout petit peu. Et puis après, ben, il y a l'habitude. Et puis surtout, vous trouverez votre propre méthode qui sera sans doute autrement plus efficace que les petits conseils que je peux vous donner. Voilà, donc moi j'avais préparé la deuxième partie à l'avance, évidemment. Donc j'ai monté mes mailles, j'ai gardé mes 3,50 m de fil perdu, j'ai tricoté mes 18 rangs de point mousse, hop, 78 rangs en jersey, et là j'arrive au moment où je veux attaquer donc mes fameux 50 rangs. Et bien, première chose, je commence par mettre mon marqueur sur la première maille en début de rang. Voilà pour savoir où sera la manche. Ok. J'ai 50 rangs à faire, mais vous savez que sur les 4 derniers rangs, je dois faire d'abord ma boutonnière, ensuite 2 rangs, puis rabattre. Donc, je n'ai que 46 rangs à tricoter avant qu'on se revoie pour faire la boutonnière. Donc, je fais ça et puis on se retrouve après. Ok, j'ai fait mes 46 rangs, nous voilà rendus ici. Il faut donc que je place ma boutonnière. Donc, cette boutonnière, je vous le disais, elle est en fin de rang, du même côté. Moi, je vais passer mes mailles sur des aiguilles double pointe parce que je vais tricoter sur la table et que franchement, avec des aiguilles normales, c'est pas possible. Donc, j'espère que ça va pas trop vous perturber par rapport à début de rang ou fin de rang. Mais là, très honnêtement, j'ai pas le choix. Si vous avez un doute, vous vous mettez face à votre patron et puis vous regardez de quel côté se trouve la boutonnière. C'est aussi simple que ça. Donc, je passe mes mailles et puis on attaque pour la boutonnière. Voilà qui est fait. Donc le début de rang, c'est là où il y a le fil qui mène à la pelote. Fin de rang, c'est là où il n'y a pas le fil qui mène à la pelote. Ok. Ma boutonnière, donc on dit souvent un jour ou un trou-trou, enfin voilà, doit se trouver à 4 mailles de la fin. Donc je vais poser un marqueur à 4 mailles de la fin. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour, je vais le réaliser en faisant un jeté. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc c'est une boutonnière de une maille. D'accord, c'est la différence avec l'autre, ça sera une boutonnière plus petite dont la taille est tout à fait proportionnelle d'ailleurs à la taille de vos aiguilles. Donc à 4 mailles de la fin, je vais faire un jeté et c'est la façon avec laquelle je le tricoterai. La façon avec laquelle? Non, la façon dont je le tricoterai ce jeté sur le rang suivant qui fera que ça fera un trou. En faisant ce jeté, je vais forcément rajouter une maille. C'est le principe du jeté.
Du coup, si je veux garder le même nombre de mailles au total, il va falloir que juste avant, je tricote deux mailles ensemble à l'endroit, de sorte à faire une diminution. Donc je mets mon marqueur là où doit se trouver la boutonnière, moi c'est à 4 mailles du bord, et je sais que les deux mailles qui sont juste avant le marqueur, je vais devoir les tricoter toutes les deux ensemble à l'endroit pour faire une diminution qui viendra compenser l'augmentation du jeté. Donc première chose, je tricote tout mon rang, donc là à l'endroit évidemment, et je vais m'arrêter deux mailles avant le marqueur. Voilà, je suis à deux mailles de mon marqueur, donc je vais tirer un petit peu sous les mailles pour piquer dans les deux mailles ensemble. Je la tricote et je tricote ces deux mailles ensemble, tout à fait normal. J'avais deux mailles, il m'en reste plus qu'une, j'ai donc fait une diminution. Ce qui est normal puisque maintenant je vais faire un jeté et que ce jeté aura aussi pour conséquence de rajouter une maille. Le jeté, mon fil est derrière. Je vais entourer l'aiguille et ramener mon fil derrière. Et là, vous voyez ici, l'air de rien, je viens de rajouter une maille. Puis je tricote mes quatre dernières mailles à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 47 en ce qui me concerne. Et je vais tricoter le numéro 48, donc tout à l'envers. Et c'est parce que je vais tricoter le jeté de manière tout à fait normale, comme une maille classique, que ça va faire un jour. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas tricoter ce jeté par le brin arrière en maille torse, ce qui ferait une augmentation certes, mais en tout cas pas de jour. Voilà mes quatre premières mailles. J'arrive sur mon jeté. C'est une maille qui est un petit peu bizarre. Elle n'est pas tenue. Eh bien, je le tricote ce jeté, comme si c'était une maille classique. Puis je termine mon rang numéro 48. Voilà, j'arrive à la fin. Hop. Ok. On regarde ce que ça donne. Voilà ma petite boutonnière. Alors attends, je vais me mettre comme ça, on verra peut-être. Vous voyez, le trou est quand même nettement plus petit que si je rabats 2, 3 ou 4 mailles. Ça tombe sous le sens puisque là, c'est une boutonnière de une seule maille. Donc mon rang 47 et 48 sont tricotés. Il me reste les deux derniers rangs à faire. Je vais les tricoter tout à fait normalement. On se retrouve avant de rabattre pour poser notre marqueur. Et puis voilà. Ah ouais, c'est bien. C'est long un peu, hein, toutes ces longueurs de jersey à tricoter. Donc je suis assez contente d'arriver à ce stade-là. Ensuite, on va faire les coutures des épaules et puis enfin attaquer les calculs des manches. Donc c'est cool, ça me ravit. Allez, à tout à l'heure. Voilà qui est fait. Maintenant, juste avant de rabattre, je viens poser mon marqueur. Donc mon début de rang est ici. Je me place face à mon patron et je vois que mon marqueur est dans la 24e maille en partant du début. 20, 22, 24. Je passe mon marqueur dans la maille, puisqu'il doit y rester. Donc maintenant, on va rabattre. Je vais bien sûr penser. D'ailleurs, oui, j'aurais pu le noter que ici et même là, d'ailleurs. Là, j'ai monté avec des aiguilles plus grosses et je vais rabattre avec des aiguilles plus grosses. J'ai pas oublié de le faire, mais par contre, j'ai oublié de le noter. Alors, mon aiguille plus grosse, elle est où? Elle est là. Hop, 5,5 en ce qui me concerne. Et maintenant, je rabats le plus souplement possible, et puis arrivé à la fin, je garderai 20-25 cm de fil, histoire de pouvoir le rentrer aisément. Ça y est, c'est fini. Les deux demi devant et le dos sont faits, donc maintenant on va passer à la couture des épaules au point arrière. Quelque part par là, une boîte de dialogue qui s'ouvre, qui vous emmène vers un des tutos que j'ai fait sur la couture au point arrière spécifiquement, et sinon sous la vidéo, dans la barre d'infos, vous trouverez aussi le lien. Ce qui serait dommage, ça serait d'être arrivé à faire votre deuxième demi-devant en vis-à-vis et au moment de la couture, de vous planter. Et puis moi, ça m'est déjà arrivé, donc je préfère vous en parler. Ça serait dommage de se planter et de mettre un demi-devant de l'autre côté, enfin bref, d'inverser les choses. Donc la couture au point arrière, c'est endroit contre endroit et on coud en regardant l'envers du travail. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend son dos. Ici, c'est l'encolure, ça c'est les épaules, et on le met en regardant l'endroit du travail. Ensuite, on prend un des demi-devants, voilà, comme ceci, et on va le tourner de sorte que l'endroit du travail soit contre l'endroit du travail aussi. Donc, on voit l'envers. Et là, on regarde, cette partie-là, c'est la partie la plus petite, ça correspond donc à l'épaule, le reste étant le devant avec la boutonnière au bout. Eh bien,
je vais venir le mettre en face de l'épaule, de sorte que le demi-devant qui est là soit face à l'encolure. Parce que si vous le mettez là, vous êtes bien épaule face à épaule. Mais alors après, je voyez ce que je veux dire, ça ne va pas fonctionner. Non, 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 non. Hop, on se met comme ça. Et on va donc coudre. Ça roulotte, hein, ça m'agace. On peut bloquer l'ouvrage, je pense, avant de l'assembler. Je ne suis pas sûre, mais je pense. Bloquer l'ouvrage, vous trouverez je pense, des vidéos là-dessus. Moi, j'ai fait, je vais vous mettre le lien là, si c'est possible, un tout petit tuto. Enfin, non, c'est un petit diaporama sur la façon dont j'ai bloqué un châle. C'est le même principe. Après, là, c'est du 100% acrylique. Est-ce que ça fonctionne aussi bien sur 100% acrylique? Je ne suis pas sûre. J'en étais où? Épaule contre épaule. On viendra faire la couture ici. Ce qui fait que. Là, je vais. Bon, faut que je le laisse comme ça, en fait, en réalité. Mais bon. Je prends l'autre demi-devant. Je le tourne de sorte à voir l'envers du travail. Je repère l'endroit de l'épaule. Et je le mets face à l'épaule. Ici, le demi-devant, et eh bien à l'endroit où se trouve l'encolure. Bon. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, ça serait dommage d'avoir tricoté correctement vos deux demi-devants et de venir les coudre à l'envers et pas au bon endroit. Ça m'est déjà arrivé. Je pense que ça peut arriver à d'autres. Vous pouvez épingler ou pas. Moi, sur une si petite couture, franchement, j'épingle pas. Donc, je vais commencer par la couture de cette épaule. Donc je vais la faire exactement comme je la fais dans le tuto que j'ai fait. À ceci près que. Alors attends, il me faudrait une petite aiguille pour vous montrer. Attendez, je cherche ça. Alors la petite aiguille. Oui, donc, je vous disais, je vais faire la même chose que dans le tuto. À ceci près que je ne vais pas faire de liseré visible sur l'endroit du travail. Alors, si vous ne comprenez pas ce que je dis, le mieux c'est d'aller voir le tuto. Lorsqu'on fait la couture au point arrière, on a la possibilité de faire en sorte qu'il y ait un petit liseré qui soit visible sur l'endroit du travail. Là, ça ne sera pas le cas. Donc, je prendrai bien les deux brins d'un côté et je passerai bien sous les deux brins de l'autre. Voilà. Donc, ici, j'ai le fil perdu pour faire cette petite couture. Et de l'autre côté, ici, j'ai le fil perdu, hop, du dos. Putain, mais j'en ai gardé beaucoup, hein. Le fil perdu du dos pour faire cette couture de l'épaule. Allez, je fais ça et puis on se retrouve après, on attaque les manches. Les coutures des épaules sont faites. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au stade où on en est. Ici, un demi-devant avec la petite boutonnière. Je viendrai mettre un bouton au niveau de la couture, sous l'épaule. Et de l'autre, là où j'ai fait une boutonnière beaucoup plus grande, je viendrai mettre un bouton cette fois-ci sur l'épaule, plus gros, plus joli en plus, enfin je pense. Voilà, et ça donnera quelque chose comme ça. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut qu'on fasse les manches. Les manches qui démarrent, je vais y arriver. Ça roulotte ce jersey, c'est une horreur. Qui démarre ici et qui se termine ici. Ce qui va se passer, c'est qu'on va venir relever des mailles, faire tous nos calculs et tricoter notre manche. Comme on va la tricoter dans le prolongement du pull, on viendra faire des diminutions. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'avec les mêmes calculs, vous pourriez tricoter la manche à part. L'avantage ici de venir relever les mailles et de tricoter la manche dans le prolongement, c'est que je vais vous montrer comment et à quel stade personnellement j'essaye l'ouvrage avant que de faire les côtes. Et ça me permet de rectifier la longueur si besoin était, parce que c'est un problème qui se pose assez régulièrement, en particulier sur certaines tailles. Moi j'ai des abonnées qui me disent que chaque fois qu'elles trouvent des patrons dans leur taille, les manches sont disproportionnées, beaucoup, beaucoup trop longues. Et parfois donc beaucoup trop courtes aussi pour le coup. Et ça pose un petit peu des problèmes. Alors c'est normal parce que les longueurs de manches, on part sur des mesures standards. Hein, et le fait est que nous ne sommes pas standards enfin, par définition. Donc moi, je vais relever des mailles, faire dans le prolongement, m'arrêter à un moment donné pour vous montrer comment je vérifie la longueur et comment je la rectifie. Mais vous pourriez, si vous êtes sûr de vous, si vous en faites deux et que du coup vous êtes vraiment sûr de vous, vous pourriez tricoter la manche à part et venir ensuite la coudre entre ces deux marqueurs. Les calculs sont les mêmes. Et bien justement, passons au calcul. Alors les calculs, passons quand même, je fais un petit récapitulatif des calculs qu'on a déjà faits parce que voilà, il faut quand même se souvenir. Ici, je prends la hauteur d'emmanchure, 19 cm. Je le multiplie par 2 puisqu'on a la hauteur ici et la hauteur du demi-devant.
Ça m'a fait 38 cm en ce qui me concerne, que j'ai divisé par 10, 3,8, que j'ai multiplié, pardon, par le nombre de mailles pour 10 cm. Et j'ai donc trouvé 68 mailles. Pour la longueur de manche, j'ai pris la mesure qui, moi, était de 42 cm, je l'ai divisé par 10, je l'ai multiplié par mon nombre de rangs et j'arrondis à un nombre pair. Pareil pour la partie qui sera en côte, le bas de manche, c'est 6 cm, je l'ai divisé par 10, multiplié par mon nombre de rangs et j'ai arrondi à un nombre de rangs pair. Alors maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on calcule le nombre de diminutions, la répartition des diminutions, de sorte que le bas de notre manche soit moins large que le haut de notre manche. Pour ça, j'ai utilisé un coefficient que j'ai mis en place. Alors là, il faut quand même que je vous donne quelques petites précisions. Il faut que vous sachiez que le coefficient que j'ai mis en place et que vous retrouvez sur les patrons, il est ici. Hop! Donc pour le 10 ans, c'est le premier, le 12 ans, c'est le deuxième, le 14-16 ans, c'est le troisième. Enfin, comme d'habitude, là, la taille XL, c'est 1, 2, 3, 4, c'est le quatrième. 1, 2, 3, 4, 3,2, voilà. Ça, vous êtes habitué. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai mis ce coefficient en place qui va nous permettre de calculer les diminutions parce que j'ai aussi adapté les mensurations des manches, c'est-à-dire de la hauteur d'emmanchure, donc la largeur des manches, et la longueur des manches avant jusqu'aux côtes, cette partie-là et cette partie-là, je les fais sur mesure, entre guillemets, pour chacune des tailles prévues, de sorte que ça fonctionne. Ça signifie que si vous vouliez utiliser la même technique sur un patron que vous trouvez sur un site gratuit, dans un catalogue, peu importe, il n'est pas certain, il est même tout à fait probable que ça ne fonctionne pas. Voilà, il faut quand même que je vous le dise. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait un patron avec autant de tailles. C'était pour que vous puissiez trouver chaussures à votre pied. Mais il faut donc que vous compreniez que ce coefficient et la façon qu'on va avoir de calculer est valable pour ce patron que j'ai créé tout exprès pour vous. Donc comme moi, je tricote la taille S, je suis venue récupérer le premier coefficient de la liste, c'est-à-dire 3,5 que j'ai noté sur mon patron. Alors pour les calculs qui suivent, vous faites précisément ce que je fais, simplement vous utilisez les chiffres de votre taille. Je prends le nombre de mailles que j'ai inscrit ici, la largeur de ma manche, 68, et je vais le diviser par mon coefficient, moi 3,5. Hop, 68 que divise 3,5, ça me donne 19,42. Ce 19,42, je vais venir l'arrondir au nombre pair le plus proche. Donc 19,42, je vais, en ce qui me concerne, l'arrondir à 20. Prenons d'autres exemples pour que vous compreniez bien la démarche. Imaginons que vous trouviez, je ne sais pas, 14,15. Le nombre pair le plus proche au-dessus, le plus proche au-dessus, oui, c'est ça, j'ai oublié de préciser, le nombre pair le plus proche au-dessus, c'est 16. Imaginons que vous trouviez 18,80, j'invente. Le nombre pair le plus proche au-dessus, c'est 20. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple bizarre? Je ne sais pas, moi. Je sais pas. J'essaye de vous trouver un petit peu tout ce qui pourrait se présenter. Donc là, j'ai un nombre impair, je l'arrondis au nombre pair au-dessus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Voyons, 17,70. 17,75, on s'en fout en fait. Le nombre pair le plus proche au-dessus, c'est 18. Voilà. Voilà le principe. Donc moi, 19,42, le nombre pair le plus proche au-dessus, c'est 20. J'ai donc trouvé, en ce qui me concerne, 20. Vous prenez le nombre que vous avez, quel qu'il soit, 14, 16, 18, 20, 24, je ne sais pas, et vous venez le diviser par 2. 20 divisé par 2, ça fait 10. Eh bien, 10, c'est le nombre de, en ce qui me concerne 10, c'est le nombre de fois où je viendrai faire des diminutions. Il faudra qu'à 10 reprises, je vienne poser des diminutions. En l'occurrence, je poserai une diminution en début et en fin de rang. Et je diminuerai d'une seule maille à chaque fois. Donc, imaginons là, vous avez trouvé 16. 16 divisé par 2, ça fait 8. Vous aurez à diminuer à 8 reprises. Il y a 8 moments dans la manche où il faudra faire vos diminutions en début et en fin de rang. Et vous verrez qu'on les fera sur les rangs impairs à chaque fois. On ne fera pas de diminution sur les rangs pairs.
Alors maintenant, on sait combien de diminutions, à combien de reprises on doit venir faire des diminutions. La question, c'est quelle est sa répartition sur, en ce qui me concerne, moins 110 rangs, vous, le nombre de rangs que vous avez ici. Je pense que le plus simple, c'est de fonctionner avec un tableau de rangs. Donc, soit vous vous fabriquez votre petit tableau, soit vous utilisez, vous imprimez celui que je mets à votre disposition et vous le trouverez beaucoup plus facilement d'ailleurs sur mon compte Pinterest dans le tableau du tuto numéro. Alors attends, là on doit être sur le tuto 24 à mon avis. Dans la barre d'infos, bien sûr, vous aurez le lien directement vers les patrons et bien sûr le tableau de rang. Donc moi j'ai 110 rangs, pour me faciliter les choses, le tableau fait 200. Je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper sur la répartition. Voilà qui est fait. Alors, ce qu'on va commencer par se dire, c'est que cette répartition de diminution, elle ne va pas vraiment se faire sur la totalité de ces 110 rangs. On va laisser ce qui correspond pour nous au début de manche, puisqu'on va venir relever des mailles et on va tricoter dans ce sens-là. Ceux qui font la manche à part aussi, d'ailleurs, ils vont, si je la fais à part, je monterai 68 mailles et je tricoterai dans ce sens. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que sur environ 10 cm ici, on va essayer de tricoter tout droit sans mettre de diminution. Pourquoi? Parce qu'on est sur une coupe droite et que par définition, les coupes droites ne sont pas ajustées, elles ne sont pas façonnées spécialement pour les emmanchures, pour les aisselles, etc. Et généralement, sur les coupes droites, l'emmanchure est plus large pour qu'on soit beaucoup plus à l'aise. Quand vous êtes sur du raglan et surtout quand vous êtes sur des manches montées, les emmanchures sont moins larges, pour une moins profondes. Pour une raison très simple, c'est que la coupe fait que vous êtes quand même à l'aise. Sur une coupe droite, on n'a pas vraiment le choix, on est obligé de les faire larges. Si on fait des emmanchures et donc des manches suffisamment larges pour être à l'aise au niveau des aisselles, ça serait quand même dommage de venir poser dès les premiers rangs des diminutions. Donc on essaye de ne pas trop toucher aux 10 premiers centimètres. Moi, 10 cm en ce qui me concerne, ça veut dire 26 rangs. Donc au moins sur les 20 premiers rangs, on va dire. Je ne vais pas poser de diminution à ce moment-là, je vais plutôt les poser sur tout le reste. La deuxième chose que je vous propose de faire, c'est d'utiliser un crayon papier. Donc moi, je ne vais pas pouvoir le faire parce que ça ne se voit pas du tout à la caméra si j'utilise un crayon comme ça. Je vous dis ça parce qu'il faut que vous ayez conscience tout de suite que vous risquez d'avoir à le refaire plusieurs fois. En particulier si vous aimez que les choses soient parfaitement parfaites. Là, je ne pense pas que vous réussissiez du premier coup, mais ce n'est pas très grave. Vous ferez un choix entre vouloir des choses parfaitement parfaites qui vous prennent un temps fou, ou vous accorder une petite marge de manœuvre et dans ce cas-là, vous irez nettement plus vite. Donc on a dit qu'a priori, sur les 20-26 premiers rangs, je souhaitais ne pas poser de diminution. Donc sur les 10 premiers centimètres, on essaye de ne pas y toucher. Je vais faire un petit trait à partir du 20e rang ici, en me disant, voilà, essaye de ne rien faire ici, essaye de rester tout droit. Ensuite, on sait qu'on veut poser ces diminutions sur des rangs impairs. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de démarrer par la fin de mon ouvrage, c'est-à-dire ici. Avant d'attaquer les côtes, mon 110e rang, il est là, il se situe ici. Et je vais choisir, c'est ce que je fais habituellement, je vous montre comment je fonctionne, vous verrez après vous comment vous faites. Je vais choisir le premier nombre impair qui se présente. Ben là, moi, du coup, c'est 109. Et je vais remonter. De 109, je passe à 99, 89, 79, 69, 59. 49, 39, 29. Je ne vais pas au-delà puisque j'ai décidé de rien faire sur les 20 premiers rangs. Et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 diminutions, j'ai 9 rangs sur lesquels je vais faire des diminutions. Or, il m'en faut 10. Donc là, il y a un choix qui doit s'opérer. Soit j'accepte de venir toucher à mes 20 premiers rangs et je pose une diminution sur le rang numéro 19. Soit je ne veux absolument pas et je vais être obligé de caser cette 10e diminution quelque part ailleurs. Ce qui veut dire que entre le 29e et le 39e, entre 39 et 49, etc., il y a toujours 10 rangs entre chaque. Donc elles sont quand même assez équilibrées, mes diminutions. Tous les 10 rangs, je viens poser des diminutions. Si je n'accepte pas de faire ce sacrifice-là et que je pose une diminution ailleurs, ça veut dire qu'à un moment donné, je n'aurai pas 10 rangs entre diminutions, entre deux diminutions, mais forcément beaucoup moins. Imaginons que je décide de la poser sur le rang, eh ben, entre le 59e et le 69e rang, donc on va dire sur le 65e rang. On est bien d'accord que ici, il y a le chien qui vient de rentrer, qui n'arrête pas de marcher. Alors avec ses petites pattes, là, ça fait un bruit. Hé, tu te calmes? Oui, elle me regarde là. Donc, si je pose ma diminution ici, je compte.
Je fais une diminution sur le 59e rang. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rangs où je ne fais rien. Puis je diminue. 1, 2, 3 rangs où je ne fais rien. Puis je diminue. D'ailleurs, peut-être que 63, ça aurait été plus judicieux du coup. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, je fais diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6e, je fais diminution. Enfin, quoi qu'il arrive, du moment qu'en plus qu'on est sur un rang impair, ça signifie que j'aurai forcément un endroit où il n'y aura pas exactement le même nombre de rangs entre les diminutions. Donc moi, en ce qui me concerne, le choix, il est vite fait. Je ne m'embête pas. J'accepte de sacrifier mon 19e rang alors que j'avais dit que je tricoterais tout droit et je pose une diminution dessus. De cette façon, j'ai bien mes 10 rangs qui sont marqués. Je ferai mes diminutions tous les 10 rangs du coup et donc ça sera très équilibré. Alors je vous rappelle que personnellement, j'ai décidé de ne rien faire jusqu'au rang numéro 20. Alors pour utiliser cette méthode, il faut d'abord qu'on calcule combien d'intervalles on va avoir entre les diminutions. Donc moi je sais que à 10 reprises, je dois faire des diminutions. Je rajoute 1 et ça me donne le nombre d'intervalles, ce qui me fait en ce qui me concerne 11 intervalles. Imaginons que vous ayez 14 fois où il vous faut faire des diminutions, vous rajoutez 1 et ça vous donne le nombre d'intervalles. Donc j'ai 110 rangs en tout. Hop, 110. Et il y a 20 rangs sur lesquels je ne veux strictement rien faire. Donc je fais 110 moins 20. Il me restera 90 rangs sur lesquels je peux venir poser des diminutions. Donc je prends ces 90 rangs et je vais venir le diviser par le nombre d'intervalles que j'ai trouvé. En ce qui me concerne, 11. 90 divisé par 11, je trouve 8,18. Alors là, il y a une règle qui est valable pour absolument tout le monde. Il va falloir arrondir à un nombre pair. Ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer deux solutions. Moi, je vais d'abord une première fois arrondir à 8, donc un petit peu en dessous, et une deuxième fois arrondir à 10. Donc, première hypothèse, je vais venir poser des diminutions tous les 8 rangs, c'est-à-dire cette solution-là. Je commence, alors c'est toujours sur un rang impair, ça, il n'y a pas, les diminutions se feront en ce qui nous concerne sur les rangs impairs. Donc sur les 20 premiers rangs, je ne fais rien. Je vais donc poser ma première diminution sur le rang 21. Puis je compte 8 en comptant le rang sur lequel je pose la diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est sur le rang suivant que je vais poser ma diminution. Puis je compte 8 en comptant le rang sur lequel j'ai fait ma diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je mets ma diminution sur le rang suivant. Et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suivant. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suivant. Voilà, j'ai posé une diminution tous les 8 rangs. Je vais donc compter combien j'en ai en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai 12 diminutions, 12 fois, pardon, où je vais venir diminuer, alors que rappelez-vous, j'ai calculé que je devais diminuer 10 fois. Donc on va essayer ensuite la même méthode, mais en posant une diminution tous les 10 rangs cette fois-ci. Tous les 10 rangs, et j'utilise exactement la même méthode. Donc je commence, je fais rien sur mes 20 premiers rangs, je commence sur le rang numéro 21 et je compte le rang que j'ai marqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suivant. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je ne peux pas en poser une sur le rang suivant puisque par définition, je n'en ai plus. Je compte combien de fois j'ai marqué un rang pour faire des diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Cette fois-ci, il y a 9 rangs sur lesquels que j'ai marqué pour faire des diminutions. Et là non plus, ça ne me convient pas. Donc tous les 8 rangs, ça me fait faire trop de diminutions. Et tous les 9 rangs, ça m'en fait faire pas assez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre une solution qui va mélanger les deux. C'est-à-dire que, hop, un troisième tableau. Une fois, je vais poser une diminution tous les 8 rangs, une fois tous les 10 rangs.
une fois tous les 8 rangs, une fois tous les 10 rangs, et on va voir ce que ça donne. Donc pareil que tout à l'heure, je marque les 20 premiers rangs sur lesquels je ne ferai rien et je pose ma première diminution sur le rang numéro 21. Maintenant, je vais alterner tous les 8 rangs et tous les 10 rangs. Je commence par 8 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, suivant. Ensuite, je passe tous les 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suivant. Tous les 8 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, suivant. 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suivant. 8 rangs. C'est un vrai bonheur. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, je suis à 8. Hein. Hop. Non, suivant. Oh, zut. Ouh, qu'elle est bête. 10, 1. On va voir si on peut faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suivant, j'ai pas la place. Donc, je m'arrête là. Et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et lorsque j'alterne, pardon, une diminution, d'abord une fois tous les 8 rangs et une fois tous les 10 rangs, je tombe sur 10 fois où je dois faire mes diminutions et c'est précisément ce dont j'ai besoin. Voilà, donc en gros, j'ai calculé que j'avais 10 fois où il fallait que je pose des diminutions. Une première méthode plutôt au feeling. Voilà, où c'est en regardant mon tableau que je vois la répartition que je veux faire. Une deuxième méthode qui est plus mathématique. Après, c'est une affaire de choix, vous verrez ce que vous préférez faire. Personnellement, je vais prendre cette méthode-là, tout simplement parce que, je vais vous dire, donc il s'agit de venir cocher les rangs au fur et à mesure qu'on les fait. Et comme à chaque fois qu'un rang se termine en 9, il faut que je fasse quelque chose, je suis quasiment sûre de jamais oublier. Mais bon, ça reste... une option très personnelle, c'est à vous de voir comment vous voulez procéder. Toute première chose, il faut absolument que vous maîtrisiez cette notion de relever les mailles, non seulement comment on les relève, mais surtout combien on en relève. Quelque part par là, une petite boîte de dialogue qui s'ouvre et qui vous emmène vers un tuto très détaillé que j'ai fait sur le sujet, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Je vais juste vous indiquer que, ici, entre ces deux marqueurs, hop, j'ai 68 mailles à relever et j'ai calculé qu'il fallait que je relève 2 mailles tous les 3 rangs. Donc je vous rappelle que j'ai pris mon nombre de rangs, je l'ai divisé par mon nombre de mailles. 26 divisé par 18, je trouve 1,44. Et dans le petit tableau que je propose dans le tuto, ça m'amène à conclure que je dois relever 2 mailles sur 3. Donc, alors attends, hop, on va pousser ça. Voilà. Je suis en position pour relever les mailles. Je vais bien venir relever la première maille là où il y a le marqueur, à une maille du bord, ici. Donc, je me tiens à 2 mm à peu près du bord, hein, puisque la maille lisière, je la laisse, je viens relever ici. Je vais relever 2 mailles sur 3. Au niveau de la couture des épaules, j'ai l'habitude de relever quoi qu'il arrive. Une maille juste avant la couture, une maille sur la couture et une maille juste après la couture. Je continue à relever des mailles et je relève la dernière, quoi qu'il arrive, au niveau du marqueur. On se retrouvera à ce moment-là parce que lorsqu'on relève des mailles, même si on fait le mieux possible, il n'est pas rare qu'on n'obtienne pas très exactement le nombre de mailles qu'on est supposé relever. Or, ici, dans ce tuto, pour cette méthode, il faut réellement que vous démarriez votre premier rang de jersey en ayant le bon nombre de mailles. Ce qui se passe, c'est que quand j'aurai relevé mes mailles, je vais vous le montrer, je démarrerai sur l'envers du travail. Donc là, je tricoterai un rang tout à l'envers qui ne comptera pas, il ne fera pas partie de mes calculs. Et c'est sur ce rang-là que je viendrai en profiter pour rajouter une ou deux mailles ou enlever une ou deux mailles pour être sûr que je sois bien à 68 mailles au moment d'attaquer mes 110 rangs de jersey. Donc l'important c'est ça, c'est de bien commencer au niveau du marqueur, bien terminer au niveau du marqueur. Ici je vous conseille vivement de relever une maille avant, une maille sur la couture, une maille après. D'équilibrer votre travail, je pourrais très bien avoir relevé 68 mailles en relevant que 28 là et 40 là, vous voyez bien que ça n'est pas possible. Donc lorsque vous arrivez à la moitié de votre relevage de mailles, vérifiez que vous ayez à peu près la moitié des mailles que vous devez relever.
Je fais ça et on se retrouve sur ce fameux rang qui ne compte pour rien pour vous montrer comment vous pourriez éventuellement rajouter ou enlever une ou deux mailles. Si vous avez une différence de 4-5 mailles par rapport à ce que vous devez relever, il vaut mieux recommencer plutôt que d'essayer de caler des augmentations ou des diminutions sur ce fameux rang qui ne compte pour rien. Allez, je démarre, fil perdu. Et je commence au niveau de mon marqueur par relever ma première maille. Allez, je vous montre les trois premières, mais enfin sans le tuto, à mon avis, c'est pas la peine. Si vous ne savez pas le faire, c'est pas la peine. 1. Alors la deuxième, je ne me trompe pas de fil. 2. Je saute la troisième, puisque je fais 2 sur 3, et je recommence. 1. 2. Je saute la troisième et je recommence. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ah ben tiens, je recommence rien du tout. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, je relève ma dernière maille. Ok. Je me mets prête à tricoter. Ici, voilà. Et je compte les mailles que j'ai. Voilà, donc pas de bol, j'en ai 69 au lieu de 68. Ce qui fait que sur ce rang qui compte pour rien et que je vais bien penser à tricoter à l'envers, je vais juste avoir à faire une diminution. Alors je dis pas de bol parce que j'aurais préféré vous montrer, si vous n'aviez pas assez de mailles, comment en rajouter. Pourquoi? Parce que pour faire une diminution, il suffit que vous tricotiez deux mailles ensemble, donc à l'envers, puisque vous êtes sur un rang, vous êtes sur l'envers du travail, sur ce rang qui ne compte pas dans nos calculs. Alors que venir rajouter une maille alors qu'on va le faire sur un rang qui a été relevé, donc ce n'est pas des mailles normales, c'était plus compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire semblant. Je vais tricoter quelques mailles et je vais vous montrer comment rajouter une maille, enfin la méthode que j'utilise moi. Après, il y a sûrement d'autres méthodes. Ce que je peux vous dire, c'est que quoi que vous fassiez, diminuer ou augmenter, essayez de répartir équitablement les choses. Si vous avez 4 ou 5 mailles en trop ou 4 ou 5 mailles en moins, je vous l'ai dit, il vaut mieux défaire et recommencer parce que c'est pas la bonne, honnêtement, c'est pas la bonne solution. Donc là, normalement, je suis supposée faire une diminution. Donc par exemple, je tricoterai la maille numéro 4 et numéro 5 ensemble à l'envers et c'est au bord, donc ça ne se verra pas trop, je veux dire au bord de la manche. Mais je vais vous montrer comment augmenter. Donc du coup, je déferai ce que j'ai fait pour pouvoir ensuite, évidemment, avoir 68 mailles sur mes aiguilles. Donc quoi que je fasse, de toute façon, je ne le fais pas complètement au bord parce que ça va me gêner pour la couture. Donc là, je vais tricoter les deux premières mailles histoire de ne pas être là où je veux faire ma couture tout à l'heure. Je vais donc tricoter ma troisième maille tout à fait normalement à l'envers. Mais au lieu de faire tomber cette partie-là, je vais d'abord aller récupérer avec mon aiguille de gauche la maille qui se trouve sur l'aiguille de droite. Et je transfère la maille d'un côté à l'autre. Puis je la tricote. Du coup, je l'aurai tricotée deux fois. Et je tricote la maille suivante qui est un petit peu lâche, mais faut pas s'inquiéter. Enfin, moi, elle est un petit peu lâche parce que j'ai un peu tiré dessus. Et je tricote tout le reste normalement. Donc vous voyez, j'ai fait une augmentation simplement en tricotant deux fois la même maille. Alors, bien sûr, je vais défaire ce que je viens de faire à l'instant, tout simplement parce que moi, je n'ai pas du tout. Il faut absolument pas, hop, que j'augmente, il faut au contraire que je diminue. Donc mes deux premières mailles sont tricotées, c'est bon. Je vais tricoter la troisième et la quatrième ensemble à l'envers. Alors ça me fera une toute petite boucle qui sera un petit peu visible sur l'endroit du travail, mais c'est vers les coutures, lesquelles se trouvent sous le bras, donc il n'y a pas trop de problème. Je termine mon rang et la dernière maille, bien sûr, est très lâche puisqu'elle correspond, hop, au fil perdu du moment où j'ai relevé mes mailles. Voilà. Donc ce rang comptait pour rien. Je me mets prête à tricoter. Je prends mon tableau et je vois que j'ai 18 rangs en ce qui me concerne à tricoter tout droit sans rien faire puisque c'est sur le 19e rang que je viendrai faire pour la première fois mes diminutions en début et en fin de rang sur le rang impair à 2 mailles du bord. Ça fait beaucoup d'informations pour dire simplement que je vais poser une diminution là et une diminution là. C'est tout. Donc je vais tricoter ces 20 rangs, ces 18 rangs, pardon, et puis on se retrouve au moment d'attaquer le 19e pour que je puisse vous montrer ce que moi je fais. Mais il y a énormément de méthodes pour venir diminuer. Et là, pour le coup, vous choisirez ce que vous voulez parce que une fois encore, ça se trouve près des coutures qui se trouvent sous le bras. Donc voilà, a priori, il ne devrait pas y avoir de souci particulier. Vous pourrez choisir la méthode que vous préférez.
Nous y sommes. J'ai donc tricoté mes 18 premiers rangs. J'arrive sur le rang 19, c'est un des rangs sur lequel je dois faire des diminutions. Donc il s'agit pour nous de faire une diminution en début et hop, en fin de rang, donc sur un rang impair. Et je vous disais que je souhaitais faire ma diminution a priori à 2 mailles du bord parce que j'aime pas du tout venir bidouiller tout au bord, ça me gêne pour la couture après. Donc moi j'ai décidé de tricoter d'abord 2 mailles avant de faire quoi que ce soit. Pour le type de diminution, mais en fait on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut tricoter 2 mailles ensemble ici, 2 mailles ensemble ici. On peut faire un surjet ici et tricoter 2 mailles ensemble ici. Ça c'est ce qu'on utilise souvent pour les diminutions de type raglan. On peut utiliser le SSK, je ne me rappelle même plus comment on le fait parce que je ne l'utilise jamais, SSK, donc vous cherchez sur YouTube, vous trouverez. Personnellement, je ne vais pas m'embêter. À chaque fois, je vais tout simplement tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc je tricote mes 2 premières mailles pour m'éloigner un petit peu du bord. Puis je tire un petit peu, je glisse mon aiguille au travers des 2 mailles et je tricote. Voilà, j'ai fait ma diminution. Ensuite, je tricote mon rang et je vais m'arrêter du coup à 4 mailles de la fin. Voilà, j'arrive vers la fin de mon rang numéro 19, 2, 4, 5. Ok, il me reste 4 mailles sur mon aiguille de gauche. Je vais donc tricoter 2 mailles ensemble pour faire ma diminution, puis tricoter mes 2 dernières mailles. Voilà. Alors, le rang 19 est fait. Le rang sur lesquels je faisais mes diminutions. Et chaque fois que j'aurai un rang qui est entouré, je répéterai exactement la même chose que ce que j'ai fait sur le rang 19. Je vous dis ça parce que, alors je vous rappelle que j'ai toujours pas de chauffage. Là, ça devient assez pénible. Donc, je vais m'absenter. Je vais m'absenter, je vais continuer à tricoter. D'habitude, je vous montre au moins 2 fois. Mais là, très honnêtement, ça ne sera pas possible. Là où je vais, je ne pourrai pas tourner. Donc, je vais faire cette manche et d'ailleurs la suivante dans la foulée. Donc, je ne vous le montrerai pas une deuxième fois, mais vous avez vu, c'est très simple. Vous posez votre diminution à 2 mailles du bord. Vous pourriez même rabattre la première maille et la dernière maille tout au bord. C'est moins courant, mais enfin, moi, je trouve que c'est moins joli, surtout. Voilà, donc c'est ce rang-là qu'il faudra répéter chaque fois que vous avez marqué un rang impair pour faire vos diminutions. Le rang suivant, le rang numéro 20, eh bien, je le tricote tout à fait normalement, toutes les mailles à l'envers. Et puis je le cocherai, je tricoterai tous ces rangs-là et de nouveau je vais recommencer un rang avec des diminutions. Voilà qui est fait. Donc j'ai fait ma manche. Alors en fait j'ai déjà fait l'autre, hein, je l'ai terminé, mais c'est juste pour vous montrer un peu plus précisément. J'ai fait ma manche et j'ai passé mes mailles sur une aiguille circulaire. Alors là j'ai pris les aiguilles avec lesquelles je vais tricoter mes côtes parce que ça m'arrange. Mais la taille des aiguilles sur lesquelles vous passez vos mailles n'a pas tellement d'importance puisque l'objectif, c'est simplement que ce soit souple. Ensuite, couture invisible avec le fil sur le côté, le fil perdu que j'avais gardé. D'ailleurs, j'ai mis 3,50 m, franchement, j'en ai de reste. Et je fais une couture invisible tout le côté, puis dans le prolongement de la manche. Alors, un petit lien par là pour la couture invisible. Et vous trouvez le lien aussi dans le descriptif de la vidéo, sous la vidéo. Et je vais arrêter la couture invisible à 3-4 cm de la fin de mon ouvrage, là. Et ensuite, tout simplement, j'essaye. Donc, c'est ce que j'ai fait pour l'autre manche. Je l'ai essayé. J'ai regardé ce qui manquait. Et les 16 rangs de côte que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire les 6 cm, en fait, ça tombe pile poil. Ça me va très bien. Donc, je vais rester sur ce que j'avais prévu initialement. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté. Alors, je comprends hein, qu'on préfère faire la manche à part, pas se prendre la tête comme ça, parce qu'il y a un moment où vraiment l'ouvrage est un peu gros et pèse un peu lourd. Mais donc voilà, là j'ai terminé. J'ai l'habitude personnellement de retourner. Hein. Voilà. Je trouve ça très chouette. Comme les diminutions sont près des coutures, elles ne se voient absolument pas. Donc je vais faire ça. Couture invisible, non là en fait j'ai pas besoin. Je vais directement tricoter mes côtes et je ferai ma couture invisible totale après, puisque je sais déjà que le nombre de rangs de côtes me convient. Et ce qui va se passer, alors il faudrait que j'arrive à le tourner dans le bon sens, mais je vais m'en mêler les pinceaux, c'est qu'ensuite je viendrai poser les boutons et je vous montrerai ça quand j'ai terminé. Donc là où il y a la grosse boutonnière, de ce côté, ça viendra se plier sur le devant et je mettrai le bouton, le joli bouton un peu gros, sur la couture de l'épaule elle-même, ou juste en dessous. À l'angle de l'encolure, ici. Pour la boutonnière de une maille avec un bouton un peu plus petit,
Je viendrai cette fois-ci mettre le bouton, mais sous l'épaule. Juste ici, je pense. De cette façon, hop, je mets d'abord le premier côté avec le bouton qui ne se voit pas, puis le deuxième côté avec le bouton qui se voit. Allez, on rediscute de tout ça quand j'ai terminé. Et puis comme ça me permettra de faire le bilan avec vous. Ça y est, le bilan. Alors, un bilan qui est un petit peu façon présentation détaillée. Voilà, c'est-à-dire qu'en début de tuto, je vous ai dit que vous pouviez regarder le bilan, ça va peut-être vous donner à l'avance des indications supplémentaires. Sur le traitement que j'ai réservé à ce gilet à pans, c'est un fil donc 100% acrylique que j'ai tricoté avec des aiguilles plus grosses. Là, c'est vous qui ferez votre choix. Moi, je voulais qu'il soit particulièrement souple, ça n'est pas absolument nécessaire du tout. C'était ce que je souhaitais. Donc, je l'ai lavé normalement et je l'ai passé au sèche-linge. Il se trouve que dans les premiers prix 100% acrylique, que ce soit ce fil-là ou chez Fildart ou même, enfin voilà, dans les fils 100% acrylique premier prix, il se trouve que, en ce qui me concerne, chaque fois que je passe un pull tricoté comme ça au sèche-linge, eh bien, il devient particulièrement souple. Moi, ça m'arrange, mais c'est peut-être pas ce que vous voulez comme tenue de fil. Donc, c'est à vous de voir si vous souhaitez le tricoter avec des aiguilles au contraire plus petites pour lui donner un petit peu de tenue. Allez, on va passer tous les petits points en revue. Le premier. L'encolure, dans le tuto, je vous propose de tricoter deux rangs de points mousse avant que de rabattre pour éviter que ça roulotte. Je vous disais déjà à ce moment-là que peut-être quatre rangs, ça pourrait être une bonne idée, je maintiens. Alors il se trouve que moi, ça ne roulotte pas beaucoup parce que précisément quand je l'ai passé au sèche-linge, ça a eu pour effet de vraiment empêcher tout roulottement. Roulottement, roulottage, non, roulottement. Peut-être que quatre rangs de points mousse, ça peut être pas mal, c'est à vous de voir au moment de le réaliser. Ce gilet à pans, je ne le porte pas spécialement fermé. Donc d'un côté, on a une boutonnière à 2, 3, 4, 5 mailles, ça dépendra de la taille de votre bouton, avec un bouton visible que j'ai choisi, enfin que j'aime bien et qui est un peu plus gros. Et puis ici, à l'intérieur, c'est une boutonnière d'une seule maille avec un bouton plus petit et qui est lui cousu sous l'épaule. Je le porte personnellement ouvert. Donc vous avez les pans comme ça qui sont devant et qui sont beaucoup plus longs que le dos. Il se trouve déjà que le dos, vous vérifierez par rapport à aux dimensions que vous tricotez habituellement, vous verrez que c'est un patron qui est un peu court. C'était un effet recherché. Je voulais qu'il y ait une asymétrie très prononcée entre l'arrière qui est un petit peu court. Bon, là on ne le voit pas en entier, mais il est un petit peu court. Et le devant qui portait ouvert est très long. C'est à vous de voir, vous pouvez parfaitement rallonger la longueur de l'ouvrage, il n'y a pas de souci pour le dos et les demi-devants. Pour ce qui est de la largeur des pans, dans le tuto, je vous explique comment calculer cette largeur-là. Je pense qu'il ne faut pas aller en dessous, mais par contre, vous pouvez nettement l'augmenter. Je m'explique. Lorsque vous allez le boutonner, si vous augmentez la largeur, que vous passez à 2,5, voire 3, 3 ça me semble beaucoup, mais 2,5 ça peut être sympa, ici, ça va venir. Le côté col bénitier va s'accentuer d'autant plus que ce sera encore plus large. Ce n'était pas l'effet que je recherchais, mais c'est tout à fait possible. Sachant qu'après, ça va vous faire un demi-pan, mais vraiment super large. Mais bon, ça peut être très sympa d'avoir un col super souple comme ça, qui viendrait se mettre un petit peu en col bénitier. Ce qui m'emmène au fait que ça roulotte un petit peu en haut. Est-ce qu'il faut faire du coup, avant de rabattre, 2-4 rangs de points mousse pour éviter que le demi-devant roulotte en haut? Moi, je pense que non. Parce que précisément, ce côté super souple du col est accentué par ce petit effet-là. Ça n'empêche pas de tricoter 2 ou 4 rangs de points mousse si vous voulez absolument que ce soit droit. Sur le bord, eh bien, moi, ça roulotte aussi du coup. Là encore, c'est un effet recherché. Est-ce que vous pourriez venir relever des mailles et tricoter une petite bande d'un point qui ne roulotte pas? Oui, il n'y a pas de problème. Après, c'est un effet esthétique tout à fait différent, mais c'est à vous de voir. Par contre, n'oubliez pas que vous allez relever des mailles et tricoter donc des mailles et que vous allez les relever sur des rangs. Ça nécessite un petit calcul. Il vous faut donc retourner dans la vidéo que j'ai faite ou une autre qui explique comment, mais surtout combien on peut relever de mailles sur des rangs. Continuons un petit peu, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? La petite bande de points mousse en bas, donc moi c'était parce que vous, surtout je ne voulais pas que ça roulotte sur le bas, vous pouvez la remplacer par un point qui ne roulotte pas de type point de blé, point de riz. Je vous déconseille fortement les côtes, ça va avoir tendance à resserrer le bas de l'ouvrage et c'est pas du tout l'effet recherché, c'est une coupe droite qui est quand même un petit peu ample.
Par contre, sur les manches, moi j'ai fait des côtes parce que je veux accentuer le fait que ça se resserre et parce que je n'aime pas les manches trop amples vers le bas. Voilà. Et je les ai d'ailleurs tricotées avec des aiguilles une demi-taille en dessous du reste de l'ouvrage. Ça n'est pas, pardon, ça n'est pas obligatoire, c'est quand même un petit peu conseillé. Ça donne un peu plus de tenue aux manches, mais ça c'est à vous de voir. Ces manches-là, on est venu relever des mailles, les tricoter. Puis, je vous ai proposé d'utiliser une aiguille circulaire pour mettre vos mailles en attente, faire la couture. Alors attends, j'en suis où? Hop là. Faire la couture du côté. Et de cette façon, venir essayer l'ouvrage avant que de terminer les manches. Et ce qui vous permet de rectifier la longueur. Je pense effectivement que c'est une habitude à prendre pour quasiment tous les ouvrages parce que les longueurs de manches, c'est réellement un problème. On est toujours dans du calcul standard alors que le standard ne nous convient pas forcément. Mais ça nécessite d'avoir des aiguilles circulaires, quelle que soit la taille des aiguilles circulaires, a priori plus petites que celles que vous utilisez pour l'ouvrage. Mais ce qui nous intéresse, c'est de les mettre en attente et de pouvoir les récupérer facilement. Si vous utilisez des aiguilles double pointe droite, ça va être compliqué d'essayer correctement les manches de cet ouvrage. Si c'est pas sur un câble. Vous pourriez peut-être mettre les mailles en attente sur un fil. C'est un peu plus galère pour les récupérer après, franchement. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Est-ce que ce gilet peut être réalisé dans un autre point? Mais oui, pourquoi pas? Pas de problème. Mais il va falloir penser à deux choses. La première, c'est que lorsque vous le portez ouvert, on voit l'envers du travail. Or, il y a des points fantaisie qui sont super sympas, qui sont très jolis sur l'endroit et qui sont moches que ça en peut plus sur l'envers. Donc réfléchissez bien à ça lorsque vous choisissez votre point fantaisie. Vous avez le point de blé, le point de riz qui sont très jolis sur l'endroit et l'envers du travail. Ils sont réversibles pour ainsi dire. Par contre, c'est un point qui est plus raide. Ça donnerait beaucoup plus de tenue à votre ouvrage. C'est à vous de voir si c'est un effet que vous recherchez. L'autre chose lorsqu'on utilise un point fantaisie et qu'on doit venir faire des diminutions, c'est le cas ici. Moi, je fais des diminutions à 2 mailles du bord. On doit se poser la question suivante, est-ce que je maîtrise suffisamment ce point pour pouvoir venir poser des diminutions à l'intérieur de l'ouvrage, puisque je suis par définition à 2 ou 3 mailles du bord, je suis donc à l'intérieur de l'ouvrage. Est-ce que je suis capable de le faire sans attaquer l'intégrité de mon point et que ça me perde et que j'arrive plus à faire le point fantaisie? Donc posez-vous bien cette question-là avant de choisir un point fantaisie pour ce gilet. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, je vais regarder ma petite liste parce que j'en ai tellement mis que je suis en train d'oublier. Si, quelque chose de super important. Les demi-devants, lorsque vous les boutonnez pas, hop, ils sont comme ça et on voit donc l'envers du travail. Ça veut dire qu'il va falloir vous méfier pour vos changements de pelote. Pas de tissage sur l'arrière de travail. Pas de changement de pelote du côté des boutonnières, puisque là, si vous avez des fils, vous aurez bien du mal à les rentrer discrètement. Et surtout, ce n'est pas un endroit non plus où on va pouvoir faire un nœud lorsqu'on fait un changement de pelote en se disant c'est pas grave, c'est sur l'envers du travail, ça ne se verra pas. Si sur les demi-devants, tout ce qui se trouve sur l'envers du travail se verra chaque fois que vous le porterez non boutonné. Et c'est un gilet qui est très sympa à porter non boutonné, précisément. Donc faites attention en particulier à vos changements de pelote lorsque vous êtes sur les demi-devants. Avant de se quitter quand même, je reviens un petit peu sur le calcul des manches. Pour ceux qui regardent ce bilan, avant d'avoir regardé le tuto, c'est ce que je vous conseille de faire pour avoir un petit peu plus de renseignements avant de vous lancer, je vous situe un petit peu le contexte. Dans le tuto, à un moment donné, on va calculer le nombre de diminutions qu'on doit faire pour les manches et surtout leur répartition. Et à ce moment-là, je vous propose deux méthodes. La première, c'est une méthode qui est plus au feeling, qui est plus facile à mettre en œuvre, mais peut-être un petit peu moins sûre. La deuxième méthode, je me suis dit tout simplement que habituellement, quand je veux poser des boutonnières, je calcule des intervalles pour savoir tous les combien je pose des boutonnières. Et j'ai transposé cette façon de penser aux diminutions. En faisant le tuto, je me suis rendu compte qu'en fait, cette deuxième solution que je vous propose, qui est plus mathématique, qui est plus longue, mais qui, à mon avis, est plus sûre, que cette méthode donc ressemble étrangement aux explications de catalogue. Alors les explications de catalogue, moi ça n'a pas changé, je ne les comprends toujours pas, d'autant moins que je ne m'y intéresse absolument pas. Et c'est parce que je ne comprenais rien aux explications de catalogue que j'ai mis en place ma méthode et que je fais des tutos. Cela étant, je me dis que ça peut peut-être vous aider à les comprendre un petit peu. Alors éventuellement, même si vous ne voulez pas tricoter ce gilet à pans pour l'instant, ou pas du tout du reste,
Vous pourriez peut-être aller voir juste la partie calcul des manches parce que effectivement, je crois que ça peut vous aider à comprendre les explications de catalogue. En tout cas, je l'espère. Voilà, c'était les dernières petites précisions que je voulais faire dans ce bilan. Et ben, je crois que j'ai fait le tour, hein, normalement, j'espère en tout cas. Donc, et ben, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto tricot.